Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire en Chine. Un projet capable de transformer à jamais notre manière de voyager sur Terre. Imagine un train capable d'aller plus vite qu'un avion de ligne, tout en restant au sol. Pendant que certains pays utilisent encore les trains du siècle dernier, la Chine, elle, construit déjà les machines du futur. Des engins qui flottent littéralement dans les airs sans toucher les rails. Des bêtes de technologie prêtes à briser le mur du son, à repousser les lois de la physique. Aujourd'hui, on va découvrir les 8 trains les plus rapides du monde et surtout le T-Flight Maglev, le monstre chinois qui redéfinit la vitesse terrestre. Alors, attache ta ceinture, parce que ce que tu vas voir va te laisser sans voix. Et si tu veux continuer à voyager au cœur du futur, abonne-toi dès maintenant, la prochaine révolution démarre ici. T-Flight Maglev, le train supersonique chinois. Le T-Flight Maglev n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une révolution totale du transport terrestre, une machine qui repousse toutes les limites de la physique. Capable d'atteindre les 1000 km/h, ce train est plus rapide qu'un avion de ligne, mais il ne quitte jamais le sol. Son secret réside dans la lévitation magnétique, un champ électromagnétique si puissant qu'il soulève le train, le maintenant suspendu dans l'air sans qu'il ne touche les rails. Résultat, zéro frottement, zéro résistance, zéro perte d'énergie. Mais la véritable innovation va encore plus loin. Le T-Flight circule dans des tubes presque totalement vides d'air, créant un environnement à très basse pression, comme dans l'espace. Sans air pour le ralentir, il peut atteindre des vitesses auparavant réservées aux fusées. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie couvre la distance Pékin-Shanghai en moins de 2 heures, 2 fois plus vite que les trains les plus rapides actuels. Le T-Flight Maglev n'est pas simplement un moyen de transport. C'est une capsule spatiale terrestre, la première étape d'un monde où le voyage n'aura plus de frontières. Le futur, ici, roule littéralement sans rail. CRH-380A, la machine d'acier infatigable. Le CRH-380A incarne la puissance tranquille de la Chine moderne, une machine d'acier, d'endurance et de précision. Conçu pour dompter les longues distances sans faiblir, il symbolise une nouvelle ère où la vitesse devient constante, presque naturelle. Lors des tests officiels, il a atteint 420 km/h, un record national. Mais sa véritable force ne réside pas seulement dans la vitesse de pointe, c'est sa capacité à maintenir 350 km/h pendant des heures, sans canne, sans pause, sans surchauffe. Le secret de cette fiabilité exceptionnelle? Un système de refroidissement à air liquide ultra efficace, capable de stabiliser les moteurs même après plusieurs centaines de kilomètres de fonctionnement continu. Son alimentation électrique intelligente lui permet d'être ravitaillé en énergie pendant qu'il roule, éliminant ainsi tout arrêt technique inutile. Inspiré du design aérodynamique des avions de chasse, son nez allongé fend l'air avec une efficacité redoutable. Le résultat, un train aussi fluide qu'une lame, capable d'enchaîner les trajets à pleine puissance sans jamais ralentir. Le CRH-380A n'est pas une simple prouesse technologique. C'est une créature d'endurance mécanique, une œuvre d'ingénierie née pour avaler les kilomètres et redéfinir la notion même de fiabilité. CR-380D, le dragon silencieux. Le CR-380D est plus qu'un train, c'est un symbole. Le premier train à grande vitesse entièrement conçu, développé et fabriqué en Chine, sans l'aide d'aucune technologie étrangère. Avec lui, la Chine ne copie plus, elle crée. Mais la prouesse du CR-380D ne tient pas qu'à sa vitesse, elle réside dans son silence. Contrairement au train rugissant qu'on imagine dévorer les rails, celui-ci glisse dans l'air comme une ombre. À 350 km/h, il ne produit qu'un souffle à peine perceptible. Les ingénieurs l'appellent affectueusement le dragon silencieux. Son secret? Un design inspiré des créatures mythiques chinoises. Un nez long et profilé, sculpté pour fendre l'air sans turbulence. Chaque courbe, chaque angle a été pensé pour réduire le bruit au maximum. Le résultat? Un train presque spectral, capable de traverser des paysages à grande vitesse sans troubler le silence environnant. Le CR-380D a marqué une étape décisive dans l'histoire du rail chinois. Il a prouvé que la Chine ne se contentait plus de suivre la course technologique, elle la mène. Un dragon d'acier et d'ingénierie, silencieux, mais impossible à ignorer. Shinkansen E5, la perfection japonaise. Au Japon, la vitesse n'est pas une course, c'est un art. Depuis plus de 60 ans, le Shinkansen incarne la discipline, la précision et la perfection mécanique. Et parmi ces légendes d'acier, le Shinkansen E5 est le plus accompli de tous.
Avec une vitesse commerciale de 320 km/h, il relie les grandes villes du pays avec une ponctualité défiant toute logique. 18 secondes de retard moyen par an. Oui, par an. Chaque composant, chaque vis, chaque circuit a été pensé, testé et calibré pour fonctionner en parfaite harmonie. Son intelligence artificielle embarquée surveille en temps réel les vibrations, la température, les conditions de rail et corrige instantanément la moindre anomalie avant même qu'elle ne devienne un problème. Résultat, zéro accident mortel en 6 décennies d'exploitation. Mais le Shinkansen E5 n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une philosophie du mouvement, un symbole du respect japonais pour le temps, la sécurité et la perfection. À chaque départ, ce train ne transporte pas seulement des passagers, il transporte l'excellence d'un pays tout entier. Le Shinkansen n'avance pas, il flotte dans la perfection. Le L0 Maglev, le train volant japonais. Le L0 Maglev n'est pas un simple train, c'est un défi lancé aux lois de la gravité. Avec lui, le Japon ne suit plus la voie, il l'évite au-dessus. Ce bijou technologique atteint la vitesse vertigineuse de 603 km/h. Aucune roue, aucun contact, aucune vibration. Il flotte à 10 cm au-dessus des rails, soutenu par un champ magnétique supraconducteur qui le maintient en suspension parfaite. Résultat, un mouvement d'une fluidité irréelle. À plus de 600 km/h, on a la sensation de glisser sur du verre. Sans bruit, sans résistance, sans friction. Chaque passager a l'impression de voyager dans le silence du futur. Mais derrière cette grâce se cache une prouesse d'ingénierie hors du commun. Le système de lévitation est si précis qu'il maintient une stabilité absolue même face à des vents puissants ou à des secousses externes. En 2027, le L0 reliera Tokyo à Osaka en seulement 67 minutes, réduisant de moitié le temps de trajet actuel. C'est la rencontre entre la science la plus avancée et la poésie du mouvement. Le Japon ne construit pas simplement des trains, il invente la lévitation appliquée à la vitesse. ICE3, la précision allemande. En Allemagne, la vitesse n'est jamais une improvisation, c'est une science exacte. Le ICE3 en est la preuve vivante, un monstre de précision forgé dans l'acier et la rigueur. Lors de ses tests, il a atteint 368 km/h, mais son véritable exploit n'est pas dans la vitesse, c'est dans la sécurité absolue. Grâce à un système de traction répartie, chaque essieu reçoit sa propre puissance, garantissant une stabilité inégalée même dans les virages les plus serrés. Résultat, un train pratiquement impossible à dérailler. Ces capteurs intelligents analysent en permanence la pression, la température et la résistance des rails, ajustant la trajectoire à la milliseconde près. C'est une chorégraphie invisible entre la machine et la voie, une symphonie de données et d'acier. Fabriqué à partir de métaux spéciaux, le ICE3 est conçu pour résister à des décennies de contraintes extrêmes sans perte de performance. Même après des millions de kilomètres, il reste d'une précision chirurgicale. Le ICE3, c'est l'incarnation du génie allemand, la vitesse disciplinée, la puissance maîtrisée et l'ingénierie portée à son plus haut degré de perfection. Italo AGV, le génie italien. En Italie, la vitesse ne se contente pas d'être efficace, elle se vit avec style. Le Italo AGV est la preuve que la technologie peut rimer avec élégance. C'est le train à grande vitesse le plus rapide d'Europe, capable d'atteindre 360 km/h, tout en offrant un niveau de confort digne d'un salon de luxe. Mais sa véritable innovation se cache dans sa conception. Aucune locomotive. Toute la puissance est répartie dans chaque voiture, ce qui permet une accélération fluide, une stabilité exceptionnelle et un espace intérieur optimisé. Chaque centimètre a été pensé pour le confort. Siège ergonomique, silence absolu et design signé par les meilleurs ingénieurs italiens. Son châssis ultra-léger réduit la consommation d'énergie, tandis que sa suspension avancée absorbe les vibrations pour une expérience de voyage d'une douceur irréelle. À bord, le temps semble ralentir alors que la machine file à une vitesse vertigineuse. L'Italo AGV n'est pas seulement un train, c'est une œuvre d'art mécanique, une fusion parfaite entre ingénierie et esthétisme. Là où d'autres construisent pour la performance, l'Italie crée pour l'émotion. Le génie italien, lui, voyage à 360 km/h avec élégance.
Le Shinkansen Alpha X n'est pas un train. C'est une créature technologique née de l'union entre la science, l'aérodynamisme et la précision japonaise. Conçu pour atteindre 400 km/h, il ne se contente pas de défier le vent, il danse avec lui. Sa pointe avant de 22 mètres n'est pas un simple design futuriste. Elle agit comme une lance intelligente, capable de se déformer légèrement selon la pression de l'air pour réduire toute résistance. C'est une forme vivante, un nez qui respire, analyse et s'adapte en temps réel. Ses senseurs embarqués mesurent plus de 10 000 variables à la seconde. Température, vibration, vitesse du vent, pression extérieure. Chaque donnée est instantanément traitée par une intelligence embarquée qui ajuste la posture du train comme un organisme vivant. Et, en cas d'urgence, son système de freinage redéfinit la sécurité ferroviaire. Il peut passer de 400 km/h à l'arrêt complet en moins de 2 minutes, un exploit inédit. En 2030, le Alpha X deviendra la nouvelle référence mondiale de la vitesse. Une flèche d'acier et de données, symbole d'un futur où la technologie ne se contente plus de rouler, elle évolue. Le monde change à une vitesse que personne ne peut plus ignorer. Ces trains ne sont pas de simples machines. Ce sont les messagers d'un futur qui avance à 1000 km/h. De la Chine au Japon, de l'Allemagne à l'Italie, l'humanité redéfinit la notion même de mouvement. Chaque innovation, chaque rail, chaque battement d'acier nous rapproche d'une ère où la technologie ne nous transporte plus, elle nous transcende. Et toi, es-tu prêt à embarquer ? Abonne-toi, car le voyage vers le futur ne fait que commencer.